Nouvelle vidéo et c'est parti, on s'est arrêté juste ici. En pleine course poursuite à moto. On est poursuivi, c'est la merde. Ah, est-ce que c'est aussi foireux que la conduite voiture? Ça m'a l'air mieux. Hop, 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 hop. Je vole. Oh putain. Tremplin. Yeah. Tremplin les fesses. Ouais. Mon dieu. Oh oui. Oh. Le mec il me cartonne le cul mais son. Hugo. Merde. Aïe. D'accord. Au secours. Mais c'est pas par là. Je sais pas si c'est pas par là. Au secours. Non. Putain, j'avais la bonne direction, mon coup. Je m'en doutais que c'est foireux. Pour une fois que c'est pas moi qui foire les conduites. Bah, j'étais passé par le droit en fait. Bah. Ah bon, je peux passer par. Ah. Aïe. Par là. Ouais. Oh merde, il y a une bagnole devant moi. Ça va le faire, ça va le faire. Boum. Oh, t'es mort. J'ai voulu sauter au-dessus du camion, ça avait l'air stylé. Non, 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 non. Arrête tout de suite. Ce jeu n'est pas stylé en fait. On va pas avoir la classe. Tournez. Tu freines des fois, toi? Jamais. Pourtant, tu m'as doublé. Ouais, c'est ça, ouais. Oh mon dieu, les arbres. C'est parce que je roule dans la merde, j'en sais rien. Tu savais où je roule, ouais, putain. Oh putain. Oh shit, le mur. Ah, je prends cher. Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, j'ai failli passer sous le camion, c'est épique. Allez, allez, allez. On va y arriver. Les rondins. Ouais. En même temps, mon gars. Oh, il passe en dessous. Oh mon dieu, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Et là, tiens, s'il y a un arbre et tout, il part sur le coude. Ah, c'est pas mal. Ce jeu prend des libertés, quand même. Très appréciable, mais des libertés, quand même. Je sais pas où je vais, Roger. Je roule dans le caca. Le bout est... Ah, moi, je continue de rouler un petit ruisseau. Là. Cheat. Ouais, mais je voulais savoir si c'était une banque derrière, mais en fait, j'ai appuyé sur L2 comme un con pour le savoir, mais ça m'a fait freiner. Je pense que je suis pas là, je vois une trace de pneu. Sans mauvais genou. Oh, putain de crotte. Non, tu vas nous faire crever, putain. Ah, nous faire crever. Non, c'est le jeu qui nous fait chier, là. Il m'a fait bugger dans le mur. Putain, mais nique ta mère. Mon dieu! Oh oui, je suis tombé, ça m'a sauvé. Et là, tu continues à me tirer dessus à travers les rochers, non mais ça. Ouais, voilà. Je suis passé par là aussi, vas-y. Non, mais le mec, il tire à travers la montagne, quoi. Franchement, il a aucun respect. C'était connu avec le cul, les tirs. Hein. J'ai l'impression de prendre un obus dans le cul tous les 10 mètres. Oh là là là. Je vois gris, c'est pas bon. Ah oh, mon dieu! C'est dégueulasse. On est même pas au même endroit, mais on se fait toucher de la même façon, tu sais. Ouais, mais je te dis, le mec, il tire n'importe où, à travers les murs, à travers les arbres. Putain. J'étais gris, pas gris, gris, pas gris, je sais pas si je mourrais ou pas, du coup. Putain, regarde ça, j'en prends plein l'arrêt. Foutez le corne ici. Ah. Putain, oh putain. C'est quoi ce tir de mortier? J'ai encore failli crever. Putain, mais c'est la guerre. Merde, je me suis encore pris un canon. C'est la guerre. Oh putain. Dégage. Ah, c'est foutu. Je suis câble là. Ah, vas-y, ta mère. Putain. Essaye d'aller sur la plage, peut-être ça ira mieux. Ça se passait tellement bien au début, pourquoi ça devient le bordel? Mais non, regarde, je bloque dans tous les cailloux. Et puis en plus, je me fais toucher et toi non. Alors que t'es derrière moi, c'est... Je crois que je suis mort au même endroit que tout à l'heure, c'est énorme, quoi. What the fuck? Le pire, c'est que tu comprends pas pourquoi tu crèves. Enfin, c'est. C'est indépendant de notre volonté. Bah, surtout qu'à un moment, j'étais dans le rocher pendant 10 secondes, ils m'ont mitraillé, je suis même pas mort, et là, je me suis pris deux balles, je suis mort. Je vais essayer de te suivre. Rester à gauche. Putain. À droite.
En fait, je retire ce que j'ai dit, la conduite redevient foireuse. Purée, mais c'est pas vrai. Wouhou. Ça s'est encore passé lamentablement, hein, bien sûr. Les dégâts. Ah, mais là, tu t'es là, t'as encore pris un tremplin, tu t'es encore pris le mur. Non, mais. Merde. Ouais, bon, je suis pas mort. J'ai pas compris pourquoi, mais je suis pas mort. On arrivait plus loin là. Ouais, j'ai raté, ah, je suis passé le virage où j'étais mort. Wow. Oui. On s'est débarrassé d'eux. Parle pour toi, moi je suis dans la jungle, je me bouche, oui. Yahoo. Ah merde, j'ai pas vu qu'il y avait un QTE. J'arrive, ma gueule. Allez, go. Ouais, j'espère que t'as confiance hein, maintenant. Ouais, je vais tirer. Oh mon dieu, ce camion. Bon, je vais arrêter de regarder ce que tu fais, ça va pas le faire. Oh, on va crever. Ouais. Ah. Oh oui, je l'ai quand même. Oh merde. Là, son pote. Là, je tire dans les pneus, mais ça fait rien. Je vois une médaille devant. Un avion, on va monter dans les avions, on est des ouf. C'est bon. Faut sauter, Roger. Hein. Ah, pas, mon dieu, il m'abandonne. Je suis du mauvais côté de l'avion. C'est n'importe quoi. Ça. Démerde-toi. Je te vois. Je me demandais s'il y avait vraiment une fin à cette piste. En fait. Incredible. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. You got it. Oh, mais ils ont combien de thunes, ces gens? Vincent, you're not gonna have to pay me triple for this. Payé $10. But thanks. You too, Leo. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily. You have a pen and paper? Wait, now? Why not? A long way home. You got anything better to do? Not really. All right then. Pour l'instant, il va laisser m'adoubir derrière. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. Leo. What? Yeah. We there yet? Yeah. Je saute plus en parachute, moi. Vous savez, plus de parachute, ça c'est un problème. De toute façon, je sais pas m'en servir. Moi, j'ai joué ça marrant. Bah, si, c'était bien. Ça m'a rappelé Just a Call. Pareil, exactement ça avec l'île en dessous. Surprise! Elle nous a livré.
Mais il n'y a aucune bonne femme de fiable dans cette histoire, en fait. Everybody stand down. Commissaire Gordon. What? I'm sorry, Leo. Je suis un traître, je le savais pas moi-même. Oula. Je m'attendais pas à ça. Heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in! Pour une balle en tête. Listen, Leo. You're in big trouble, you understand? Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What, are you stupid? You that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Yeah, I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation.
I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. Nobody move! I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself. Je suis un pantin. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Take it easy, Leo. Shut up! You don't have to do this. You're gonna pay for this. Get in the fucking car. Go. I fucking trusted you, Vincent. Leo, you need to calm down. Calm down? Are you serious? Look. I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Leo, please. This is insane. I understand you're angry, but you got to realize that it's over, okay? Shut up, Vincent! You have nothing to say to me! You're nothing to me! I'm really sorry for everything. Please stop the car. Sorry? You're sorry, huh? I can't believe you, you fucking rat. It's over. The entire police force is after you. There's no way out of this. I swear, Vincent, one more word and I'll put a bullet right through your forehead. Shut... Un peu tard. Oh, maintenant on est l'un contre l'autre. Faut esquiver les balles comme ça. Le truc, c'est de toucher le moteur là. Ouais, la résistance est presque cannée. Tremplin. Explosion par vol. Oh. 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 Oh mon dieu. C'est terminé.
coriace. Hein. Et bah, je trouve que pour un mec qui tire avec un seul bras avec un fusil mitrailleur, j'avais quand même une sacrée précision. Parce que, le viseur il bougeait pas des masses. Ah mais non, c'est nul de se tirer dessus. Pourquoi tant de haine? Plutôt couvert ce connard. Ah oh, putain, cette visée à la con quand on est derrière nous encore. C'est pas un bois sans fin. Ah oh merde, il se barre encore. Comment cela va se finir? Avec mon pied dans ton cul, c'est comme ça va se finir, mon gars. Oh merde, putain! Il est même pour ça.
Oh, c'est interminable. Ah, mais c'est pas normal. Oh oui. OMG. Throw it away. You fucking disgust me, you pig. It's over. Get up. Get up. Et c'est pas fini. Putain, mais il fait chier. Reviens ici. Moi, je vais me suicider. Fais donc ça. Oh merde. C'était pas épique, tu vois, vraiment, d'un putain. Ça valait le coup de s'entraîner, bordel. Ou ce lag. What the fuck. C'est pas le moment de laguer. Oh, Manu ça... Putain, ça va se finir en main nue cette merde. Ça va se finir un poil dans la boue. Dragon Punch. Il pourrait mettre une musique épique quand même. Ah ouais, mais ouais. Aïe. Ah mais moi ça marche pas parce que j'ai plus de vie. Je pense que de toute façon Léo doit mourir. Visé. Cette fin qui n'en finit pas d'ailleurs.
Et ainsi fini Washi. C'est lui qui va annoncer la mauvaise nouvelle. Hi. Can I come in? Sure. Hi. Hey Alex. Where's Leo? Linda, we need to talk. Alex. Why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. It's about Leo. What about him? Thank you.
Hey, Carol. Here. What's this? It's my resignation from the Bureau. It's over, Carol. I'm out. Please. Just give me one more chance. I named her Julie. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes, too. I'm sorry. I know you are. You want to come in? I'd love to. Eh bien, quelle fin. Surtout Bordeaux. Bah ouais, mais est-ce que ça se termine bien ou est-ce que ça se termine pas bien, alors? Bah, ça dépend pour qui, en fait. Bah ouais. À voir, est-ce qu'il y a une autre fin où les deux en sortent, ou inversement, peut-être. À voir ce que fait Léo s'il s'en sort et si c'est Vincent qui meurt. Donc, rejouable. Rejouable et au final, qu'est-ce que tu peux en dire, toi? Qu'est-ce que t'en as pensé, là, à chaud comme ça, là? Malgré les bugs, malgré... Bah ouais, il y a quelques défauts, c'est sûr, au niveau des bugs, surtout pour les gameplay, enfin les gameplay au niveau du fight, des gunfights, et puis la conduite des voitures, surtout. Autant la moto, c'était marrant, que les voitures, c'était pas terrible. Au niveau de la conduite, on s'est un peu retrouvé dans les mauvais GTA, on dirait, par moment. Les gunfights, pareil, c'était pas... Bon, on sent que c'est pas le jeu qui est fait pour ça, hein, totalement. Ouais. Notre problème au niveau de la caméra, le viseur en lui-même. Mais faut retenir le jeu pour sa narration, quoi, c'est ça. Sa narration, ses angles de caméra... C'est ça. Le fait de switcher entre écran plein, double écran, voire même triple écran, quand on s'est fait poursuivre la dernière fois. Peut-être la porte ouverte vers d'autres jeux du même style, avec d'autres univers, ou des jeux plus aboutis, final. Bon, je pense que si Joseph Fares refait d'autres jeux, il y a de fortes chances que ça soit dans le même style. Est-ce qu'on en aura d'autres venant de d'autres développeurs? Pourquoi pas. Il y a quand même des défauts à corriger. Hein. Bon, après, comme on le disait sur les autres épisodes,
c'est un jeu à 30 balles quoi. À 30 euros, mais. Ah, ouais, pour 30 euros, il fait le taf, hein, de toute façon. Mais... Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'on s'est quand même bien marré, il y avait quand même une bonne narration, la fin, on s'y attendait pas spécialement. Alors, l'histoire est belle, ouais, il y a un gros. Il y a quand même de sacrés rebondissements, et. C'est 30 euros bien investis quand même. Ça aurait été 60 euros mal investis, mais 30 euros bien investis, tu vois quoi. Et puis voilà. Sur la durée, on était sur. On a mis combien de temps? 5 heures. On a dû mettre 5 heures et demie. Bon, on vous laissera faire le total. Hein, mais... C'était l'épisode 9. Et. Bah, merci de l'avoir suivi. Non, c'était l'épisode 10. 10 même. Ouais, 9. 10. Et bah, merci de l'avoir suivi. Nous, c'était bien cool. Et à très vite. Pour un autre gameplay. A voir s'il n'y a pas quelque chose. Est-ce que tu veux voir quelque chose après? C'est possible, ça c'est vrai que j'en doute. Mais bon, t'en vérifies. Non, et non, on revient à l'écran titre. Bon, bah le jeu on le refera après. On le refera chacun de notre côté en online, si vous certainement. Avez l'occasion, faites-le. C'est toujours sympa de le faire. Bref, faut pas oublier qu'avec un seul jeu, il est possible d'y jouer à deux. Pour ma part, j'ai acheté le jeu, je vais pouvoir y jouer avec Ezekiel online, lui chez lui, moi chez moi. Il y a un code de téléchargement pour avoir le jeu, pour donner le jeu à celui qui ne l'a pas. Donc un seul jeu suffit. Voilà. Et puis bon, on en profitera pour faire les autres choix, pour voir s'il y a une autre tournure à l'histoire. Voilà. Et bah, très vite pour d'autres gameplays. Merci. Et à très bientôt. Ciao.